Sadhguru, j'ai vu presque toutes vos vidéos sur YouTube. Je me sens totalement familier avec la plupart des choses dont vous parlez dans les vidéos. Familier. D'accord. Alors, est-ce que je dois vraiment participer au programme Inner Engineering ? C'est arrivé une fois. Shankara Pillai arrive au... Shankaran Pillai arrive au restaurant Mahamudra à Isha Life, à Chennai. Un menu raffiné qui s'étend sur 5 ou 6 pages. Il le lit avec attention, et puis il demande, « J'ai lu tout le menu, est-ce que je dois vraiment manger ?» Vous savez qu'il y a une différence entre lire le menu et manger et digérer la nourriture, en savourer le goût, la digérer, assimiler les nutriments dans votre corps, il y a une différence. Les vidéos YouTube sont des titillations, juste pour vous chatouiller un peu. Parce que le monde n'est pas dans un état de sensibilité à la vie, où il verrait naturellement la nécessité de rechercher quelque chose de profond. Aujourd'hui, je vois les applications culinaires. 2019, démarrer l'année avec un mois sans cuisine. Il suffit de commander. Un mois, on vous fait une réduction tous les jours, on va vous livrer ce que vous voulez. Pendant un mois, vous n'avez pas à cuisiner. Donc c'est vers là qu'on se dirige. Je veux dire que toute la culture, à travers le monde, est orientée vers là. Donc le menu doit donc être vraiment long pour qu'ils puissent choisir. Ils sont d'un certain genre. Quel genre de personnes sont-ils? L'un est un buveur de café, l'autre est un buveur de thé, l'autre est un buveur de soukou coffee, et ainsi de suite. L'autre est cette personne-ci, cette personne-là. Je veux dire que les gens ont pris goût à toutes sortes de choses. Donc on écrit sur le café aussi, sur le thé aussi, sur les maux de tête aussi, sur le mysticisme aussi, sur le processus spirituel aussi, sur la mort aussi, sur la vie aussi. Parce qu'il faut un menu aussi long aujourd'hui pour obtenir l'attention de tout le monde. Donc vous lisez le menu, et vous pensez que vous êtes nourri. Ça va être triste. Inner Engineering est un processus structuré pour l'amener dans votre vie, pour l'amener dans votre tête. Les vidéos YouTube sont OK. Pour en faire une partie de votre vie, vous avez besoin d'une pratique solide. Vous avez besoin d'un système profond pour que cela devienne une partie de votre processus de vie, pas seulement de votre processus de pensée.